Salut la gang, cette semaine, je travaille technique de boxe avec toi. Est-ce qu'on est prêt à pratiquer notre boxe? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je te montre et par la suite, tu seras à toi de pratiquer. Donc, comme on dit, un karatéka, donc, est capable de pratiquer ces choses sans nécessairement que papa, maman te demande. On appelle ça de la discipline personnelle. Donc, je te le montre et par la suite, toi, tu pratiques à la maison. Tu montres que toi, tu as de la bonne discipline. Comme quand papa, maman te demande de faire des travaux à la maison. Pour l'école, c'est important. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est garder nos bonnes habitudes. Donc, encore une fois, je le répète, la lecture, de bouger tous les jours et une bonne alimentation parce que c'est important, on dit un corps sain dans un esprit sain. Donc, j'ai les meilleurs. Donc, je vais avoir trois consignes pour toi. Première consigne, toi, tu la connais bien, le jack, le punch. Les mains sortent. Jack punch, et je me replace. Je peux sauter également, les mains sortent. Jack punch, et je me replace. Encore les meilleurs. Jack punch et je me replace. Les deuxièmes consignes, c'est l'esquive. Un côté, l'autre côté. Donc, je suis capable de faire un côté, l'autre côté. Je peux le pratiquer en 5 ou 10 fois. Donc, encore, un côté, l'autre côté. Je suis rendu bon pour le faire. Jack punch, esquive, esquive. J'ai le meilleur. Jack punch, esquive, esquive. Et pour terminer, je te demande de faire le combo au complet. Les 4 coups de poing. 1, 2, 3, 4. Esquive, esquive, jack punch. Je suis ici. 1, 2, 3, 4. Esquive, esquive, jack punch. La gang, donc à vous de prendre le temps de me faire de belles techniques. Et n'hésitez pas à le pratiquer davantage et m'envoyer la vidéo lorsque toi, tu sentiras que tu as une technique 10 sur 10. Bonne pratique.